Bonjour les collecteurs, aujourd'hui je vous présente 4 pièces très rares de 2 francs semeuses en nickel. Avant de commencer cette nouvelle vidéo, n'oubliez pas de vous abonner les amis. Aujourd'hui je vous parle donc de 4 pièces type semeuses en nickel. Sur l'arrière de ces pièces, on retrouve au centre une semeuse aux cheveux longs, drapée et coiffée d'un bonnet phrygien, de profil gauche, semant à contre-vent. En arrière-plan, sur la droite, on retrouve un soleil levant. De chaque côté, on retrouve les mots « République française ». En dessous, à l'exergue, on trouve la signature « D'après au point rôti ». Sur les revers de ces monnaies, on retrouve au centre la valeur, 2 francs, sur une branche d'olivier et une de chêne, entrecroisées à leur base. En dessous, on trouve le millésime, et tout autour, en arc de cercle, la devise de la République française, liberté, égalité, fraternité. La première de ces monnaies que je vous présente aujourd'hui est la 2 francs semeuse 1977, sans le mot essai. Cette pièce a un poids de 7,46 grammes, un diamètre de 26,26 mm. Le métal, c'est du nickel. La tranche de cette monnaie est cannelée. Et le degré de rareté de cette pièce est du R2. Cette pièce de 2 francs a été frappée à 253 exemplaires. La cote de cette monnaie est de 2000 euros en état splendide et 3000 euros en état fleur de coin. Une pièce en état splendide a été vendue le 14 novembre 2019 à 1700 euros. Et une pièce en état fleur de coin s'est vendue en 2015 2950 euros. La deuxième monnaie que je vous présente aujourd'hui est la 2 francs semeuse sans le mot essai, tranche à 11 pans avec un listel rond. Cette pièce est donc une pré-série de 1977. Le poids est de 7 grammes, le diamètre de 26,5 mm, le métal c'est du nickel, la tranche de cette monnaie est lisse avec 11 pans. On dit que c'est une pièce en décagonale. Le degré de rareté de cette monnaie est du R3. Cette monnaie a été frappée seulement à 40 exemplaires. La cote de cette monnaie est de 4000 euros en état splendide et 5500 euros en état fleur de coin. Une pièce en état fleur de coin s'est vendue lors d'une vente aux enchères le 11 septembre 2018, 3800 euros. Une autre pièce s'était vendue 2000 euros en état splendide le 14 novembre 2019. Il est à noter que cette pré-série sans le mot essai, sans signature et sans différent est connue d'après l'ouvrage de Michel Taillard et Michel Arnaud qu'à seulement 8 exemplaires. La troisième pièce que je vous présente aujourd'hui est la pré-série de 2 francs semeuses. Cette pièce est une commission monétaire de 1977. Pré-série de 2 francs semeuses, 4e type. Le poids de cette pièce est de 7,02 g, le diamètre est de 26 mm, le métal c'est du nickel, la tranche de la monnaie est striée et le degré de rareté de cette pièce est du R3. Deux exemplaires sont répertoriés seulement dans le franc. Une pièce s'est vendue 5500 euros en état splendide en 2014. Et une autre pièce, ou peut-être la même, qui a été remise en vente, s'est vendue 6250 euros lors d'une vente aux enchères. La dernière monnaie que je vous présente aujourd'hui est la 2 francs semeuse tranche à 11 pans avec un listel en décagonale. Cette pièce date de 1977. Son poids est de 7 grammes, son diamètre est de 26,5 mm, le métal
c'est du nickel. La tranche de la monnaie est donc lisse avec 11 pans. Et le degré de rareté de cette pièce est du R3. On voit bien la différence de listel. Celle-ci a 11 pans sur son listel, l'autre a un listel rond. Seulement 18 exemplaires ont été frappés pour cette monnaie. Et d'après l'ouvrage de Michel Taillard et Michel Arnaud, il n'y aurait que 5 exemplaires connus. Cette monnaie extrêmement rare a une cote de 2000 euros en état splendide et 3800 euros en état fleur de coin. Il est à noter qu'un modèle de cette pièce en état splendide s'est vendu 1900 euros en novembre 2019 et une autre de ces pièces en état fleur de coin s'est vendue 2250 euros le 8 décembre 2020. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de liker, partager et commenter. Je vous dis à bientôt sur Money Collector et je vous souhaite une très bonne journée les amis.